Salut les enfants. Voilà, bon bah salut à tous, hein, vous l'avez compris, je suis avec mon fiston Fantin. Et aujourd'hui on va tester quoi Fantin? Ça s'appelle comment? Les dés. Dingue! Les dés dingues, exactement. Les dés dingues, c'est un jeu familial qui est proposé par la marque WDK. Et c'est un jeu qui se joue grande boîte de 1 à 8 joueurs. Et il y a combien de dés à l'intérieur? Non, arrête. 100! Tu les as comptés, c'est pour ça. Et sinon, il y a la version voyage, Fantin. Hein, la version voyage qui se joue de 2 à 5 joueurs, là. Et qui a son petit sachet de transport à l'arrière. Voilà, comme ça. Et ça, c'est pratique aussi, j'ai envie de dire. Oui. Oui, et il y a aussi une petite couronne au milieu. Effectivement, là, je ne sais pas si vous la voyez, la petite couronne. Je vais la remontrer. Voilà, une petite couronne. Fantin, on ouvre la boîte pour voir comment on y joue? Oui, s'il te plaît. À l'intérieur de la boîte, il y a 100 dés. Oui, 100 dés. Il y a également un... sablier. Il y a la couronne... du roi des dingues. Du roi des dingues. Il y a également... un dé électronique. Voilà. Où les piles sont fournies dedans. Oui, les piles sont fournies. Hein. Le tapis n'est pas fourni avec. Voilà, le tapis n'est pas du tout fourni avec le jouet. Hein. Mais bon, on l'a mis parce que c'est quand même un truc qui va bien avec. C'est le tapis des dingues, donc c'est important. Il y a 7. Non, 8 shakers. Il y a 8 shakers. Non. Si. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 8, 10. Non, il y en a 8. Et puis, il y a aussi une règle du jeu, Fantin. Tu l'as où, la règle? Voilà. Une règle du jeu dans laquelle on retrouve toutes les possibilités de jeux différents avec ces dés dingues. Bien sûr, il y a des jeux pour les petits comme lui à partager en famille. Et puis, des jeux un petit peu plus élaborés. Mais je vous conseille plutôt de regarder notre démo. Vous allez tout comprendre beaucoup mieux. Et puis, il y a également un sac de transport. Oh, pour transporter ce jeu. Allez, on va jouer tout de suite au petit dé dingue. Hein, c'est notre premier jeu. Ce que t'as pas montré, c'est ça. Mais si, je l'ai montré déjà. Mais ça va plus bien dans ta tête, toi. Allez, à tout de suite. Et voilà, nous revoilà avec Fantin mon piston. Prêt à jouer comme des fous au... des dingues, plus exactement, au mini des dingues. Au petit des dingues, voilà. Parce que c'est vrai que dans la boîte, il y a plusieurs possibilités de jeu. Et il y a ceux qui s'adressent plus facilement aux enfants de son âge. Donc là, le petit des dingues, ça nous concerne tous les deux. Alors, nous allons vous expliquer comment on joue. Déjà, il y a 4 dés. Malus. Malus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui va récupérer ces 4 dés malus... eh bien, va partir avec un handicap, puisque le but du jeu est de se débarrasser de tous ses dés. Donc, celui qui récupère les 4 dés malus, eh bien, il n'a pas de chance. Et comment on va le savoir? Eh bien, on va prendre un dé, tous les deux, chacun, hop, dans ton shaker. Et celui qui fait le plus petit chiffre remporte, t'as fait 4, remporte, eh bien, ses 4 dés malus. 5, eh ben, c'est pour toi. Désolé. Eh oui. Et maintenant, nous allons tirer notre chiffre. Hein, ça c'est important. Donc tu mets un dé. Non, non, Fanfan. Regarde, tu mets un dé. Je mets un dé malus comme ça. Oui, si tu veux. Et hop, tu tires. Vas-y, tire. On va découvrir ton chiffre. 2. Donc à chaque fois que tu vas tirer tous tes dés, à chaque fois que tu verras un 2, tu les mettras de côté. Et ce, jusqu'à ce que tu n'aies plus du tout de 2. Et que donc tu les puisses tous les mettre de côté. Et du coup, tu seras gagnant si tu es le premier à l'avoir fait. Alors moi, mon petit chiffre magique. Alors moi. Moi c'est un 4, donc je joue avec les 4. Et toi, tu joues avec les 2. 2, t'as rien oublié. On est prêt? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Parti, nous irons au bois. Allez hop, c'est parti. Oh, mince. Alors, 4. 2. 4, 4, 4, 2. 1, 2. Hop, je rejoue. Dépêche-toi, faut vite les remettre dans ton shaker. Moi, je suis déjà... Ah, et tu les lances bien sur le tapis, hein, sympa. Ouais. 4, 4, 4. Oh, j'ai de la chance. J'en ai encore mis 2 de côté. Yes. Oh, oui, mais moi aussi, j'en ai 2. Enfin, 2 là. 2, 2, 2. 2, 2. Alors, 4, 4, 4. J'ai pas 4. Où est-ce qu'il y a 2 de 4. Allez, vite. Là, là. Plus rapidement. Moi, j'en ai plus que toi.
4, 4, 4, mais j'arrive plus à faire un 4, moi. Alors, c'est quoi ce délire? Oh, oh, je l'ai pas, mais c'est pas grave, parce que j'ai plus que toi. Oh, est-ce qu'il y a... Ah, bah, il y en a un, deux. Ouais, j'en vois un, moi. Ouais. Ah, oui, ouvre tes yeux, ouvre tes yeux. 4. Voilà, bah, dis donc, c'est dur, c'est difficile de faire des 4 aujourd'hui. Ah. 4, 4, 4, 4. Ouais, 2. Et puis voilà. Moi, j'en ai plus que toi. Non, j'en ai plus que toi, t'as gagné. C'est pas gagné. Moi, il m'en reste un, 2, 3, 4, 5. Oui, mais moi, il m'en reste que 4. Ouais, ouais, t'es sûre que t'as pas triché? Non, j'ai pas triché. 4, 4, 4. Ah, et moi, il m'en reste que 3 maintenant. Oui, mais moi aussi. Ah bon? Alors, non, et t'en reste combien? 2. Il m'en reste 2. Ah, t'en reste 2 aussi. Attention, c'est la bataille infernale. Oh là là. Ah, il m'en reste plus qu'un. 5. Moi, ce que... Non, 3, 5 et 3. Allez, 1. 2. Oh non. Non. 6. Oh, non. Non. C'est difficile de faire des jeux aujourd'hui. Enfin. Il a gagné. Enfin, j'ai triché. Bravo, t'as triché. Bah, j'avais fait un 5 sans faire exprès. Ah, d'accord. Alors, ça, je me disais bien aussi. Ça s'est joué encore. Ah, d'accord. Non. Hop, 4, c'est moi qui ai gagné. Yes. Oh bah dis donc, ça va pas ou quoi la tête. Voilà, donc ça c'était le petit détail. Alors on peut compliquer l'affaire en se servant du sablier. Hein, si votre est-ce qu'on est... peut faire avec le sablier? Oui, bah, on le refera hors caméra. Donc si vous voulez mettre encore un peu plus de rythme dès que votre enfant a bien saisi les règles du jeu, hop, vous tournez le sablier. Et évidemment, quand le sablier est terminé, eh bien c'est celui à qui il reste le moins de dés voilà, qui a... grogné. Attendez, celui qui a réussi à se débarrasser de tous ces dés de couleurs. Hein? Eh ben écoute Fantin, on va jouer à autre chose maintenant. Hein? Nous allons jouer maintenant au... solitaire. Au solitaire, exactement. Et comme son nom l'indique, ça se joue... tout seul. Exactement. Donc même principe, hein, tu vas tirer, donc vas-y, je te laisse, ton chiffre avec lequel tu vas devoir jouer. Le 3, d'accord. Et alors, le truc, c'est que il va donc mettre tous ses dés, la même chose, à chaque fois qu'il va avoir un 3, il le mettra de côté jusqu'à, on te le souhaite, avoir débarrassé tous tes dés de tous les 3. Mais la petite difficulté, c'est que tu joues contre la montre et contre le sablier. Donc quand le sablier est terminé, eh bien la partie se termine. Donc je te conseille de te dépêcher. Tu es prêt? Oui. 1, 2, 3, vas-y. Enfin, j'en vois pas. Les 3. Il n'y en a pas, allez, tu remballes. Vite, Fantin, vite. Oh là, ça m'est tombé. Allez. Mais ça vient juste de commencer. Bah oui, mais ça va très vite. Hein. Alors vas-y, relance. Oui, mais... oh mince. Les trois. 3. Voilà. Allez, vite, remets-les. Vite. Mince. Tu peux, mince. Tu mince. Peux les relancer. Mais non. Tu peux les mettre. Mince. Et voilà. Bah dis donc, hein. Oh, c'est pas un joli score, ça, hein? Oui, mais tu vois, oui, mais ça va vite, hein? Ça va trop vite, effectivement. Bon, eh bien, nous allons essayer maintenant le fameux dé électronique. Nous allons jouer maintenant avec Fantin à la bande... des dés dingues électroniques. Alors ça, normalement, ça n'est pas pour ton âge, hein, c'est un niveau 2, mais enfin, on va voir quand même si on peut jouer ensemble, toi qui as 6 ans. Alors, nous avons pour jouer donc ce fameux dé électronique qui va enfin nous servir. Donc, pour qu'il nous donne le chiffre de la partie, il faut l'agiter un peu, voilà. Je ne sais pas si on le voit bien, mais alors on va jouer. Quel sera notre numéro du jour? 4. On croirait au loto un petit peu. C'est le 4, exactement. Donc tous les deux, attends, tous les deux, nous allons jouer pour le numéro 4. Là-dedans, il y a dans cette partie 4 dés, cette fois, qui sont des dés bonus, que l'on doit attribuer au plus jeune. Alors, qui est le plus jeune entre toi et moi? Moi. T'es sûre? Bah oui. T'es vraiment sûre? Bah oui, je suis sûre. Ah ouais, montre-moi ta carte d'identité d'abord. Et j'en ai pas. Ok, bon, alors, toi, tu as donc les 4 dés bonus.
Ce qui est important, c'est que à chaque fois que l'on va tirer nos dés, on tire nos dés de notre couleur. Donc toi, en l'occurrence, les bleus et les violets. Et moi, les oranges. Nous n'avons droit de tirer avec nos shakers que nos dés de notre propre couleur. En revanche, on peut... Par exemple, j'ai 4. Par exemple, c'est le truc 4 comme on a. Voilà. Et ben, elle a 4. Voilà. Et il peut là, me prendre mes dés. Là. Mais pas. Oui, mais si elle les a pas vus. Parce que c'est voilà, bon, exactement. Ouais, bon. Donc voilà. Donc on peut se servir dans les dés de l'autre, bien sûr. Mais en revanche, les dés qu'on envoie sur la table sont nos propres dés. Est-ce que tu es prêt? On va mettre un petit peu plus de piment dans la partie, ça c'est possible. Avec notre sablier. Donc, allez, on prépare nos dés. Là, 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 là. Donc, on est sur le chiffre 4. Est-ce que tu es prêt, Fontain? Oui! 1, 2, 3, nous irons au bois. Allez, hop! 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Arrête. Ah, je l'ai pris. Eh ben, moi, je m'en fiche parce que je relance mes dés, tu vois. Hop, 4, 4. Non, t'as qu'à part essayer de piquer les dés de ton voisin, toi, d'abord. Hein, c'est quoi cette méthode-là, hein? Ah, non, je les ai. Tac, tac, j'en avais oublié. Ah, 4-4. Allez, alors... Bon, moi, j'en ai plus. A terminé avec le sablier, donc moi, j'ai combien de dés? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et toi, de côté? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, j'ai gagné la couronne des dédingues. Voilà, donc, oui, mais elle est trop petite, c'est ça le problème. Oui, c'est ça le problème. C'est et qu'elle elle est sympa. Elle est un peu petite, mais je l'ai quand même gagnée. Donc vous voyez, on était en niveau 2. T'as réussi à comprendre le niveau 2. Donc vous voyez, on peut vraiment jouer en famille. Il a 6 ans. C'est un jeu qui se joue donc de 5 à 99 ans. Hein, ça dépend du 99, comment il se sent dans sa peau. Ça s'appelle Les Dédingues. C'est signé WDK. Il y a la version voyage, hein, comme on a pu vous le montrer au tout début, qui est très pratique aussi. Il y a un petit peu moins de possibilités de jeu parce qu'il y a moins de dés. Mais enfin, bon, c'est très sympa aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a oublié de dire? Rien. Ça t'a plu, toi, les dédingues? Oui. Oui. Eh bien, écoutez, on vous même recommande... si j'ai pas gagné, ça me plaît. Bon, ah bah ça c'est beaucoup, hein, pour lui de dire ça. L'important c'est qu'on joue. L'important c'est de participer. T'as raison, mon gars. Allez, mais je vous dis à bientôt sur desmojeux.com. À ciao. À ciao.